Ça va toi? Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Peanut et putain de merde, merci beaucoup, merci pour les 100 000 abonnés, merci énormément, je réagis à chaud, on est le 3 mai, il est 10h tout juste, on a passé les 100 000 juste hier en live, c'était juste énorme, donc je vais faire une vidéo très très simple aujourd'hui, mais voilà, j'avais tout simplement envie de vous dire merci en vidéo, et je me répéterai jamais assez de vous dire merci. Je voulais répéter je sais pas combien de fois en live, je vais sûrement le répéter encore pendant quelques jours et pendant longtemps encore, mais merci. Merci, 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 on est 100 000, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a un mois on était 40 000 sur la chaîne, maintenant on est 100 000, voilà, vous êtes plus de 55 000 à avoir rejoint la chaîne, et c'est incroyable, j'ai même pas de mots pour ça, c'est juste incroyable, donc pour ça merci, 100 000 fois merci, 1 million de fois merci, énormément, ça me fait super plaisir. Genre comme je le disais en live, je vais pas trop le développer en vidéo parce que ça va être chiant pour vous, mais comment dire, voilà, il y a un mois, 40 000 abonnés, 1500 vues, 2000 vues, 100 likes, 150 likes, grand max sur la vidéo, 20 commentaires, tu vois, comme grand maximum, la chaîne en train de mourir, la chaîne en train de crever, le jeu vidéo qui ne plaisait plus, et le jeu vidéo qui ne me passionnait plus, et puis le hasard a fait que la 3D est arrivée, la 3D a débarqué, et c'était pas trop prévu, et puis même moi, jamais je me suis imaginé, ouais, tu vas buzzer sur la 3D et tout, ouais, mais spécialise-toi là-dedans, ouais, fais de la 3D, c'est kiffant. Non, jamais je me suis posé cette question-là, c'est venu comme ça. J'ai fait mes vidéos 3D, et puis bah, bim, une première qui buzz, une deuxième, et puis bam, on commence les lives, et puis en fait, c'est surtout les lives, en fait, j'avoue, qui ont fait bien développer la chaîne, et bien connaître la chaîne niveau la 3D, c'est impressionnant. Donc la route n'est pas terminée, la route est loin d'être terminée, il nous reste encore plein de choses à découvrir, à faire ensemble, surtout dans les prochains jours, semaines et mois. Il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. C'est juste énorme. Donc merci. Vraiment merci encore. Il va être prévu que il va y avoir un concours qui va arriver au mois de mai. Je vais peut-être même le sortir avant mon anniversaire. Parce que j'avais prévu à la base de sortir un concours pour mon anniversaire pour le 27 mai. Je verrai. Pour vous faire gagner plein de figurines 3D, des end spinners et plein d'autres choses. Vous allez avoir une vidéo exprès donc, pour participer, etc. Des nouvelles surprises qui vont arriver. J'en dis pas plus. Et peut-être Madame Peanut, ma copine, pour ceux qui ne la connaissent pas, ma copine qui va revenir. Peut-être pas pour tout de suite, dès demain. Mais d'ici quelques semaines, peut-être, on sait pas encore. Mais on va voir un petit peu la tournure que ça prend. Et puis en tout cas, ben voilà, merci encore à tous. C'est incroyable. J'ai toujours dit, genre sur YouTube, j'arrêterai pas YouTube tant que j'arrive pas aux 100 000. Tant que j'arrive pas à ce palier mythique des 100 000 et avec le trophée à la clé, le trophée de ta chaîne YouTube, tu vois, avec marqué Congratulations for 100 000 subscribers, avec ton pseudo. J'avais toujours dit, j'arrêterai pas YouTube tant que j'aurai pas ce trophée. Je pense que ça y est, je peux arrêter. Je peux vendre ma chaîne ou la fermer ou la laisser telle qu'elle et puis ne plus faire de vidéo. Ça y est, j'ai atteint les 100 000. Je vais pouvoir faire ma demande de trophée et je vais le recevoir entre 2 et 5 mois. Et je vais avoir mon petit trophée qui va arriver. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je vais le mettre dans mon fond. Je vais le mettre dans mon fond de vidéo pour qu'il se voit, pour que j'ai toujours un œil sur lui. Que je me retourne, que je le vois, que je l'ai dans le retour de la caméra. Quand je suis sur Skype, je veux l'avoir en visu. Je veux toujours le voir, tu vois. C'est ma fierté. Et je pense que c'est la fierté de beaucoup, tous ceux qui sont sur YouTube. Tous ceux qui ont eu le trophée, c'est quand même une première fierté sur YouTube. Donc c'est en tout cas super cool. Et ouais. Hier, le live était juste incroyable, énorme. J'ai dû défoncer les oreilles à 2000 personnes. On était en live devant 2000 personnes. Et j'avoue que 99 990, t'es normal, 95 t'es normal, 99 t'es normal, tu stresses un peu, et puis en fait, à partir du moment où tu vois la transformation du chiffre, passer de 5 chiffres à 6 chiffres, tu vois ce gros chiffre de plus de 100 000 sur ta chaîne, en fait là je me suis rendu compte que ça y est, on y était, ça y est, il y avait les 100 000 là, genre, putain mec, t'as 100 000, et je sais pas, j'ai eu du mal à me rendre compte quand même sur le coup, j'ai hurlé, j'étais là, je pense que j'ai réveillé tous mes voisins. Je pense que tout l'immeuble était au courant qu'il se passait un truc chez moi. Ils ont dû penser que j'ai gagné au loto. Et puis en live, pareil, en live, j'ai dû détruire les oreilles de tout le monde. Oh putain, quelle fierté, quelle bonté quand même. C'est rien peut-être pour certains, hein, ce n'est que le début. Et on est encore des petits youtubeurs à 100 000 abonnés. Mais c'est grave cool. Pour moi, c'est un accomplissement, pour moi, c'est une réussite, ça fait plaisir. Et surtout, ces derniers temps, je me suis donné à fond ces derniers temps sur les vidéos, sur les lives. J'ai tenu un rythme assez soutenu ces derniers temps. Donc, c'est un peu une récompense, un remerciement. Et ça fait super plaisir. Franchement, même là, au moment où je vous parle, je peux aller voir. Hein, au moment où je vous parle, là, je suis à 101 000, 12. Franchement, quand je suis sur mon compteur en direct, j'ai même pas l'impression d'être sur ma chaîne, si tu veux. Hier, quand j'ai fait ça, j'ai actualisé 2-3 fois avant de me dire, mais si, mais t'es con, t'es sur ta chaîne. Tu sais, j'avais l'impression d'être sur le compteur d'une autre chaîne, si tu veux, pas de la mienne. Enfin bref, donc ça fait plaisir. Continuez comme ça, continuez à laisser des likes. Parce que les likes, vous le savez, c'est vrai que c'est chiant de demander des likes.
C'est vrai que c'est relou. Vous dites, ouais, Peanut, il devient comme les autres putes, il demande des likes. Il fait sa pute à demander des likes. Ça paraît bête, hein, c'est vrai. Hein. Mais j'ai grave senti la différence hein, depuis que je vous demande des likes. Hein. Et puis les likes, d'une, ça récompense entre guillemets le travail et ça nous fait plaisir. Plus notre vidéo a de likes, plus ça nous fait plaisir, c'est vrai. En dehors des vues, de l'argent, les likes, ça fait plaisir, comme les commentaires. N'empêche que c'est tellement rien, mais ça, apparemment, ça peut aider au référencement des vidéos et à l'avancée de la chaîne. Si ça peut aider, si vous êtes là, si vous soutenez la chaîne et que vous soutenez les youtubeurs, laissez un like. Enfin, même, bah après, si vous aimez pas la vidéo, vous mettez un dislike. Mais je veux dire, si vous voulez jouer le jeu et aider les youtubeurs, vous laissez un like, ça coûte rien. Et apparemment, ça peut aider la chaîne. Et en tout cas, moi, ces derniers temps, depuis que je demande les likes, depuis que j'arrive à un nouveau contenu 3D avec des idées de vidéos que je me fais pomper d'ailleurs. Mais bon, ça c'est la loi de YouTube, c'est la dure loi de YouTube. On est tous forcément passés par là à un moment ou à un autre. On a tous forcément plagié quelqu'un. Ça y est, c'est moi qui me fais plagier. Je suis un peu une référence pour d'autres personnes, ça y est. Je deviens une référence pour d'autres. C'est cool. Donc non, en tout cas, c'est incroyable. Et puis je pense que je vais en arrêter là avec cette vidéo. Parce que sinon je pourrais continuer à vous parler et puis revenir à répéter la même chose et la même chose et la même chose et la même chose. C'est pas le but. Je vais arrêter cette vidéo. Encore merci du plus profond de mon cœur. Ça fait super plaisir. Et donc l'aventure est loin de se terminer. L'aventure est loin de s'arrêter. Il nous reste plein de choses à voir ensemble, plein de choses à faire et plein de choses à découvrir. Surtout sur le monde de la 3D. C'était Peanut les amis, un peu moins foufou que d'habitude, mais juste, je voulais parler sérieusement, posément devant ma caméra. Je vais, bah, moi, pour ma part, aller travailler, parce que oui, je travaille, je ne vis pas de YouTube. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Donnez votre avis dans les commentaires, hashtag GG100K. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Peanut, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.